Enemy draft is a big Exodia. Troll? Ou il le pense sincèrement ce qu'il vient de dire? J'avais enfin un match-up mêlé. Pas de TP vu que c'est Gwen. Oui, oui, quand c'est des mêlés, je reste sur le même setup par contre. Oublie pas de TP second win si match-up range. Ouais, ouais, t'inquiète. De toute façon, je peux pas autopilote mes runes, je les fais à chaque fois. Les voix de Stray lui disent de ne pas être malveillant. Non, non, faut que je reste gentil là. Oui, vas-y, allez, donne-moi, donne-moi. Je prends pour toi tout ce que tu veux. Mettez-moi ce que vous voulez. Mettez-moi tout, tout, tout. Y a pas de souci. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous cook en top lane à votre avis? What the fuck? What the fuck? Non mais vraiment, sur mes 6 dernières games, ce ne sont que des ranges. Littéralement, que des ranges. C'est pas que j'ai pas eu de winning matchup, c'est que je n'ai pas eu un matchup qui n'était pas Astro Cancer Bad. C'est ça le problème. Il y a du beau monde dans la game. Malgré tout. Enfin, du beau monde. Il y a Comp et il y a... Ignore top, please. Voilà, je vous donne ma nouvelle méta. Première fois que je tombe sur un live, je regarde plutôt sur YouTube d'habitude. Je n'ai pas tombé sur le meilleur live pour commencer. Il y a combien de délais? 30 secondes. En mode, il va pick Jax, surtout counter pick. Franchement. Non, franchement, je vais rien dire. Force à toi, GR Romain. Très bonne remarque. T'as tout dit, mon frère. Continue comme ça. Lâche pas. Nouvelle méta, Garen solitaire. Mais vraiment, méta, Garen ne fait rien. Garen regarde Gnar, farm toute la game, attend d'avoir 10 CS minutes et n'interagit pas. Legit méta Jazz Weakside. Comment jouer contre des range top en grand 2024? Maximiser son win rate. Une solution en 3 étapes par coach Stray. Les piliers de jouer contre un range top. Voilà, on se prend pas les sorts. On respecte le monsieur. Il a trop une grosse wave de CS pour que j'aille me permettre d'en prendre un. Là pour l'instant, il faut juste être très sage, très gentil, très poli avec monsieur. Ah, j'ai un peu envie de hurler. Ah, j'ai mal joué. Bon, j'ai pas d'intérêt à mettre une ward, donc c'est Well Jungle. En vrai, la Nidatu, dessus, c'est ok. C'est un shutdown en plus. Oh oui, belle. Bien joué, Yike. Continue comme ça. Arrête pas le vélo. Oh, il a fait son petit cheater Rico la batteur, hein, comme tout le temps. C'est les mêmes games en boucle, de toute façon. Ne vous en faites pas. Nous ne vivons pas dans une simulation, tout va bien. Bill Gates ne vous empoisonne pas avec ses vaccins. La Terre n'est pas plate, hein, surtout. On est fous, hein, ceux qui croient que la Terre est plate. Hein. Continuez à vous moquer de nous. Vous saurez un jour. Moi, je vous le dis, la Terre est plate. Ne me croyez pas, c'est pas grave. Au moins l'XP et je me casse. En vrai, le moment où je me suis avancé pour le trade, c'était vraiment du trolling. Ah, coulous, coulous. Non, mais en vrai, je peux pas proxy. Par contre, vous savez ce que je peux faire? Je peux grab la wave. Je grab la wave et ça la met dans un meilleur spot que si j'avais pas, si j'avais rien touché. Je peux entendre un bruit. Non, ça peut pas être le Zac. Il est pas à ce niveau-là dans la game, c'est pas possible. Il peut pas être niveau 4, 28 CS. Ok. Limite, j'aurais peut-être pu lui faire un petit trade, mais bon, c'était greedy. Ça risquait de mal tourner. Normalement, il n'y a pas de raison que Zac soit top. Hein. Les void gobs sont pas up, le sont pas avant 2 minutes 30. La botlane n'est pas au max, mais on a Yike qui est ultra activé dans la game. Il a 112 multi. Ouais, ça se sentait qu'il allait rater. Vu le temps qu'il mettait à le lancer son R. J'ai une sleek. Mec, je te jure, si je dois claquer un truc pour toi, je le claque, hein, j'en ai rien à foutre. Je pense que back, c'est une mauvaise idée. Ah, je sais pas. Il a peut-être pas le temps de push ma tour. Il l'aurait peut-être pas push anyway. Bah, c'est vrai qu'il avait pas grand-chose, en vrai. Je pense que si j'avais reset instant, c'était un bon call. Après, ça l'arrange pas non plus de pas reset. Hein. Ça le fait plus chier lui que moi. Moi, je m'en fous. De toute façon, je suis juste une machine à farm. Je veux pas impacter la game. Mais lui, s'il reset, il pourra un peu plus me bully et un peu plus me mettre dans la merde. Donc, c'est plus à son avantage. J'essaie de le follow up. Ah, il a pas de passif. On va faire une élimination éclair alors. Je vais y aller avec la Nida en vrai. Non, je te dérange pas à piquer tous les CS alors que t'as rien fait du move. Oh. Il vient de prendre une coulante là. On soit bien clair. C'est-à-dire que Lucian, notre frère à tous, là, il vient d'étaler sa merde dans place publique.
Moi je reste, ils sont obligés de reset à un moment ou à un autre. Moi je m'en fous, je suis une machine à rester online. Eux ça les fait chier, ils perdent tout leur tempo, ils perdent toute leur dynamique de map. En plus si je reste une wave de plus, j'ai un stride. Ok, on l'a vu reset. Ah, faut que je tape la tour. C'est greedy, mais faut que je tape la tour. En fait, j'avais peur qu'il y ait le bard qui me contourne, c'est pour ça que j'étais pas sûr. J'ai une TP s'il y a besoin. Oh, la TP était big, mais tellement big. Ça, lui, il veut pas juste sucer mes waves depuis le début de la game, c'est ok tiers. Il est pas juste perma là où je suis pour me prendre des CS. Il fait plaisir, le Lucian. Eurosevic, 0-3-2. Je prends au moins un full level, c'est vraiment big. Il a l'air de prendre plus qu'un full level, hein. S'il level up pas sur cette wave, top gap m'a l'air d'être vraiment big. C'est compliqué de m'avancer, on a pas vraiment de vision. Ouais, c'est difficile de m'avancer. Je pense qu'on est un peu dans une période de game où on va juste devoir chill. Ils ont pas grand chose pour me catch, hein. Ils ont triple ADC, et même s'ils m'envoient Zac Bard, je sais pas s'ils ont les dégâts de me tomber, je suis quand même très tanky. Vu que je pars plaque en deux, je pense que je peux me permettre beaucoup, beaucoup de choses en side dans la game. Ils ont pas de gros DPS pour catch en fait. Genre tout leur DPS c'est des trucs assez statiques qui réceptionnent les waves, c'est pas des trucs qui bougent sur la map. Je pense que si on joue bien la map, on va juste tellement les étouffer au bout d'un moment. Toujours ma TP de up s'il y a besoin. Je pense qu'on gagne le move sans besoin d'aide. Je vais essayer d'aller défendre tes deux mid, mais je sais pas si j'arriverai à temps. Je focus le Ezreal, mais juste pouvoir se barrer après. Ah, on se fait tellement out map. Alors que justement, ils ont pas de perso pour la map, c'est trop chiant. Mais c'est juste parce qu'on fait un catch à un horrible timing. Genre on go 4 bots sur un timing, mais c'est Lucian en vrai, le Lucian est en solo lose. Le Lucian ne prend pas un side. En fait, il prend juste mid de temps en temps, mais bon. En vrai, Lucian et Kai'Sa sont pas au max. Non, je peux vraiment face check comme un singe, je m'en fiche là. Y a rien qui doit m'empêcher de bouger sur la map, ils peuvent absolument pas me bouger, je suis intuable. Vraiment, je peux leur marcher dessus, j'en ai strictement rien à faire là. N'importe qui essaye de me tuer, il va vraiment se prendre un mur. J'ai beau être un Garen, là, je suis basiquement mal fit sous hormones. Là, vous voyez, ils vont venir me catch, mais je m'en fous, en fait. C'est juste qu'on prend free prio bot, et moi, je vais juste chill et me barrer. Ah, ça m'étonnerait vraiment qu'ils réussissent à me tuer. Peut-être que je me trompe, mais je pense qu'ils ne peuvent jamais m'atteindre. Ils font quoi? Ils m'attendent? Ouais, ok. C'est bien. J'ai l'impression qu'ils veulent... ils veulent un peu. Je mets deux levels au Gnar. Je prenais déjà plus qu'un full level tout à l'heure, donc... forcément, normalement, ça fait que de se creuser, étant donné le nombre de... enfin, la quantité de waves que je récupère dans la game. Ouais, je peux venir avec toi si tu veux. Mais... on a le follow-up de Kai'Sa, on a la TP de Lucian. Là ? Je ne recule pas, hein. Si je recule, c'est un misclick. C'est vrai qu'on peut juste nash. Non mais par contre le Corki qui en 12 CS minutes me terrifie, hein. Le Lucian se fait vraiment exterminer, hein. C'est terrible. Oh. Attends. Et ils veulent vraiment nous contester le nash? Je comprends pas. Vous êtes un peu fou non sur les bords? Ouais vas-y, trop chiant. Merci Mudkip Meat, merci beaucoup pour le deuxième mois de Prime. Bon, c'est bon, à un moment vous êtes ridicule. à un moment, il faut que ça cesse, les gars, là. Oh. Elle l'avait pas vu. Je vais me mettre devant, je vais prendre les Q. Un mur. Je vous l'ai dit, un mur. Terrifiant en ce moment. Ouais, c'est pas mal en vrai. On a Kai'Sa aussi qui est vraiment pas mal aussi. J'ai une TP hein, s'il y a besoin, mais je suis pas très chaud de TP en vrai. Je pense que je vais juste venir à pied et ça fera totalement l'affaire. Vu que de toute façon j'ai pas d'ulti, je pense que join avec une TP ça sert à rien.
Ah, je m'appuie Z parce que j'ai stride FF. Wouah, t'as le nombre de wards! Mais je suis pas une machine à déborder, moi! Quelle est cette folie? J'aime ce moment où je lui mets un item. J'ai full build tank. Donc je peux quand même pas lui 1v1. Après, il a ça. Sans ça, je pense qu'il pourrait rien me faire. Je pense qu'il a bien learn avec le poke là. Ok, ils ont plus d'ADC. On joue slow. Excusez-moi, j'ai la voix qui part un peu en couille. Normalement, il peut pas connecter un stun. T'es chaud mec en vrai. Attends mais t'es pixel au jeu en vrai. Mais attends mais Orvan il branle quoi? Mais c'est perma banable ça hein. Des gens ont été considérés comme soft hinting pour moins que ça hein. Non je peux pas W l'ultibard, c'est considéré comme une stase. Tu peux réduire les stases, c'est comme le Zonia. En gros ça voudrait dire que tu peux Z ton propre Zonia pour le réduire. Si tu pouvais réduire le truc de barde. Ce qui serait marrant mais... Attention maintenant ça a plus de sens vu que... Les chances pour que tu fasses Zonia sur Garen sont assez faibles. Pourquoi le bard est sur moi, je comprends pas. Attends mais c'est Broken Blade là Nida? What the fuck, j'étais persuadé que c'était Yike moi. Wouah, respect. Tu? Nice. Bard? FF. Nar? Pitié. Oh, c'est très sad tout ce qui se passe, hein. On a besoin des flashs ou pas? Ah, oh, celui de Rel, du coup. Manque pas grand chose, mais je peux pas avoir le putain de Sterak. Ah bah, il est chaud. Ah! J'aime trop forcer des plays comme ça, là. Des bons plays qui ont aucun sens. Ils sont goûtus ces plays là. Ça a aucun sens mais ça finit la game. Delicioso. Ouais, je sais pas si on finit, on n'a pas de way. En fait, si on réussit à tuer ce putain de cafard, on peut, mais. Oh mon dieu, on est tellement pas organisé. Oh mon dieu, on est tellement pas organisé. Le airbarb, hein, je pleure. Ah, faut le tuer lui ce parasite, on n'en peut plus. Hein. Merci. Oh, je me suis frustré par mon équipe là. Je voulais faire une prière ulti et je me fais frustrer comme ça. Attends, je t'ai fait comme ça, il peut pas finir la wave. T'as le seum, hein, oh, salaud. Oh, pixel les gold. On a pas de wave, mais c'est pas possible, on a jamais de wave. Il va aller la prendre. Faut que j'y aille, parce que sinon il va la taper. Oh non, ils vont nous tuer notre Lucian, putain. Vraiment, Lucian, si on était un corps humain dans notre équipe, ce serait vraiment, mais vraiment l'appendice. Bah voilà, 10-0-12. Nouveau build de Garen. Le build broken contre les range top. Comment terroriser les fils de pute. Garen TP, Garen full tank, FK farm, et tu te montres.